c'est pour la rediff. Ah oui, Ah, bah oui. oui. Ouais, mais je capture pas le chat, hein. Déjà, j'essaie de diffuser, d'avoir un son et d'avoir des images. Alors si en plus vous capturez le chat, je vous jette par la fenêtre. Hein. Mais de toute façon, j'aime pas moi quand t'as des milliards de banderoles, des publicités, des oh, les donateurs, les machins, enfin, je sais pas. Moi mais... si, c'est ce qui... Ça fait grosse quéquette, je sais pas. Le truc que je mettrais bien, mais ce serait plus en annotation, c'est les chaînes de vos... Enfin, les liens de vos chaînes à la con, là. Vous faites de la mais merde, j'aime pas, mais... moi, mettre de la pub sur la... mais pour nous, connard. Même le mec, pour ses potes, il va jouer perso. Non, pourquoi mais tu, non, mais tu mets dans la pourquoi description de la vidéo. Toi, je joue pas avec toi parce que t'es sympa ou que t'es un mec qui joue bien. Je joue avec toi parce que t'as plus de viewers que nous. Oui, quoi. Merde. Je pense que hein, sur le chat vous êtes d'accord. Oui, les gars, parce merci, que les vidéos de Léa, je les regarde jamais. Hein. D'ailleurs, elle en sort plus en ce moment. Tu sais quand tu veux t'endormir. Si. Il sort quoi, les Girac? Bon, je vais pisser, je reviens. Meubler la conversation. Pas trop de conneries. Ah oui, Civilization, ça fait longtemps que j'ai lâché, ça me gonfle. Mais Beyonders, il est pas mal. Peut-être, oui. Ce qui me contenterait, moi, serait peut-être me faire une série sur Empire Total War. Ouais, vas-y, fais Total War, je te laisse le monopole. J'ai une petite idée de série, avec le Darth Maul, évidemment, avec la Prusse. Moi, c'était pour le 1er avril, je pensais faire une vidéo Total War. Quel enculé. Bon, on remet les lectures, ils sont à faire chez McIntyre. Oh. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est pur. Sûr. La catégorie fat sur YouPorn. Hashtag je ne suis pas bourré, quoi. Parce que t'avais l'air dégoûté là, alors je pense que t'as trouvé. Non, parce que j'ai. Quelle horreur. Je. Non, j'ai fait une faute d'orthographe en fait dans le chat. Ouais, je sais pas ce que j'ai, je vois pas mon clavier en fait. Quelle est la confiture préférée des Portugais? La confiture de mur. J'ai pas compris. Les murs. Les maçons. Putain, les mecs, faut lui expliquer une blague, la vache. Ah ouais, j'ai pas compris. D'accord, les murs, les maçons. Oh mon dieu. Quelle est la différence entre le chocolat et une belle-mère? Ça va être dégueulasse encore, non? Le chocolat ça constipe, la belle-mère ça fait chier. Alors Jules qui dit demain j'ai contrôle de musique, je dois chanter plus sentimental. Alors je vais vous faire deux spoils, déjà je m'appelle Yves. Et oh, quand j'étais donc au... Merde, comment il s'appelle notre collège déjà? Les Mortefontaines, on faisait du pipeau, de la flûte. Alors j'ai fait de la flûte, un truc immonde. Et là, tout le monde. Que m'a dit ma prof? Pour moi c'était une révélation, elle m'a dit Yves tu es la honte de la musique française. Moi perso j'ai pris ça comme un compliment. Quand tu vois niveau de la musique française. C'est David, t'es du Portugal mais on choisit pas où on est hein. Tu sais nous à 200 km on était anglais hein. Non, connard avec un S, bah il doit être. Ça, je vous jure. La vitale. Je vais te dire, mon gars, c'est vrai, ça joue à très peu de choses à distance. Il y a 70 ans, on aurait été allemand. Hein. Ah, mais en même temps, ça aurait peut-être pas forcément été plus mal, quoi. Ah, il veut. Ah, il veut de l'air. C'est référence. Bon, allez, on lance la suite, les enfants. D'ailleurs, en parlant du Portugal, vous avez vu, j'ai une série où... Ah non, j'ai pas spoilé, j'ai fait une série avec le Portugal qui a commencé. Et il y en a qui m'a soumis une autre idée, là, mais sur Facebook, je vais la faire. Prochaine série, je la fais sur ça. La série fun. Allez, on lance la suite de l'enregistrement, les copains. Ouais, parce que moi, il faut... Allez, vite. Ouais, vas-y. Après, allez. J'ai les soirées d'office. Tu fais chier avec tes soirées d'office. Allez, je lance l'enregistrement. Bienvenue à vous, les gens. Donc là, c'est la suite du stream. Avec on a fait un petit intermède, bon, moi FK Bio, Jonas nous a dit qu'il avait Dofus, il y a des blagues racistes sur le chat. Bon les Portugais ils en prennent plein la gueule comme d'habitude, en même temps. Mais je parle portugais. En plus je vais au Portugal cet été. Comme moi je fais des blagues sur les noirs et les arabes, et j'ai un pote noir et arabe. Il y a un congrès d'économie. Non, allez, oh là là. Le pote noir et arabe, on la connaît celle-ci, on a tous un soi-disant pote noir ou arabe imaginaire là, histoire de dire non je suis pas raciste tu vois. Alors que si on est carrément. Ouais, moi j'ai pas de pote arabe hein, quand même. Moi je me fais chier. Ah, non, hein. J'ai fait l'aîné, un pote noir. C'est quand même beau ça, l'aîné. Oh. Mais tu sais quoi, Léji, t'as qu'à abandonner Yamanouchi. Lui de se faire foutre. Ça fera quelque chose. C'est qui Yamanouchi? Le mec que j'aurais bien tabassé après. Mais qu'elle est avec toi. Yamana. Yamanouchi. Ah, Yamanouchi qui est à l'autre, il est allié avec la moitié de la quoi.
T'as toi, t'as le Japon, à droite du Japon t'as Takeda, et à droite de Takeda t'as le Manouche. Ah mais non, je serais toujours allé avec lui. Le mec a fait ça exprès pour me faire chier. Vous le sentez le truc là? Bah toi aussi t'as fait pareil hein. Ah oui, mais j'ai fait pareil parce que j'avais pas le choix. Parce que t'as fait allié avec les Manouchi, j'ai dit bon bah merde. Fuck it. Comment on voit où sont Liberty Desire? Je sais pas. Tu vas sur ton pays, tu vas sur la page diplomatique. Ouais. Diplomatique. Et dedans, t'as normalement tu dois ah oui, voir 64. Voilà. 65%. 83,7%. Là, le Japon il chie dessus. Oh l'enculé, il va se barrer. Non, non, mais je veux pas te taper le Japon. Je veux juste. Juste continuer à tabasser tes vassaux. Voilà. C'est vrai que le japonais a ses vassals. Je m'en fous. Parce que je sais où c'est des vassaux. Mais je suis pas rival avec lui. Il y a pas un quasi-belly de rivalité. Qui avec le Jap? Non, Ah non, je suis à 58, ouais, je sais pas. Avec qui le Casus Belli? Bah, je sais pas, y a pas un Casus Belli de rivalité? T'as un Ir, un Arabe et Sinopolos qui... C'est quoi un Ir? C'est un Nord-Irlandais? Ah, un Noir! Ouais, écrivez bien! Je viens de lire la connerie de Quentin. Oh là là, on va finir en prison mec, nos blagues racistes, notre humour. Oh là là, on s'en branle. Mais c'est satirique. Oui, voilà, bien sûr. Exactement, c'est quand même. Oh là là, putain, Yamana qui était mon allié est en train de se faire violer par. Ah non, se faire dévioler par les manouches. J'adore des fois les guerres d'IA. Donc là, en fait, il y a le Yamushi qui allait prendre la capitale du Yamanouche. Et le. Ah oui, il y a le Yamanouche et le Yamana. En fait, les deux ont pris leur capitale mutuelle et il y a le Yamana qui est en train de dessiéger sa capitale que le Yamanouche a pris, quoi. Putain, paye ton bordel, la guerre qui va durer 20 ans. C'est moi qui ai foutu un petit peu la merde parce que je l'ai déforcé un petit peu à déclencher la guerre. J'en affaiblis un. Ouais. j'ai foutu la merde. Voilà, là c'est bon. Toc, toc, je n'ai pas du tout fait exprès, bien sûr. J'ai pas de casus belli. Non, j'ai rien du tout. Non, mais pour moi, c'est vraiment la merde, quoi. Hop, on va le rappeler, lui. Est-ce qu'on peut obtenir la paix? Moi, j'ai bien de devenir vassal de quelqu'un. Ça me dérange pas. Tu veux pas être ma pute aussi? T'es déjà le vassal du Japon. Je te donnerai du fric. Ah. Tu crois pas que tu puisses être mon vassal? Non, mais après, quand tu seras... Ah, l'autre, je peux pas le 18% de score de guerre. Tu pourras m'intégrer et tout, je m'en fiche. Ah oui, je vais t'intégrer. Non, mais je peux rien faire, je suis vraiment bloqué, non, du coup, je sais quoi faire après. Ah non, le Jiraki est pas Shogun, c'est un plot. Ouais, ah, Shogun, j'aurais dû commencer Shogun en fait. Je suis en train de penser au premier épisode, cette bande de trous du cul, ils vont encore m'insulter tout le long. Donc déjà, ils m'ont insulté sur Twitch et ils vont me réinsulter sur la vidéo YouTube. Des fois, c'est le problème de faire du l'enregistrement. C'est qu'on se fait doublement insulter. Allez, là, je vais avoir la plus grosse flotte de galères du monde. Ah ouais, c'est avec leur faute de commerce, les mecs, ils sont en train de me siéger. Mon dieu. Ah ouais, j'ai deux fois plus de guerre que je vais peut-être pouvoir les défoncer. Je vais peut-être leur mettre... Non, j'attends que ma deuxième galère soit sortie et je vais leur mettre sur la gueule. Mmh. Ah, j'ai pas dit. Mmh. Ouais, parce qu'une fois que j'aurai défoncé leur flotte, ça va les détendre. Après, je pourrai aller les envahir. Arrête de chanter, par contre, t'as une voix de casserole là, hein. Bah je m'ennuie. Bah fais la guerre. Y'a pas de guerre à faire. En fait, ce qui est marrant, souvent le Japon, ce qui se passe, c'est que t'as un début de guerre, ça s'observe, et d'un coup ça se met à péter dans tous les sens. Ouais, bah ouais, mais quand y'a pas dedans, c'est pas simple. Hein. Non, tu vas faire faute, mon gars. Je veux ta province. C'est pas je vais donner du pognon, non, c'est juste ta province, navires, c'est tout. J'arrive avec 7, ils ont 9 navires, dont. Allez, dans 4 mois, ce sera bon là. 2 galères. Et moi j'en ai 4, 6 galères. Yamana m'offre me demande de rendre en alliance. Comment dire? Je pense que maintenant c'est le mec qui est en guerre contre moi et qui se dit oh, je suis dans la merde. Didi, allez-toi. Moi j'aurais dû dire oui en fait. Ah j'adore la pop-up au moment où je suis en train de faire une guerre. Ah j'aurais pété un navire. C'est une bonne chose.
Mais non, putain de navire, casse-toi. Bah, je vais perdre deux navires là. Ah non, ça devrait être bon. Hop, on se barre. Ouais, j'aurais pété un navire, c'est rentable. Bon, c'est un navire de transport. Et j'ai rassemblé mes deux galères surtout. Et là on va sortir pour le défoncer. Ah non. Ouais, on va se rentrer au port. Voilà. Et on va faire une galère supplémentaire. La huitième galère. Bon, mon offre de paix. Ah, je suis à 20% de ce que t'as compris. Moi je suis à 20%. Oh. Ah ouais. Moi t'es devant moi. Genre Jibo, tu restes pas, espèce de putain de trou du cul, va. Ah, c'est qui, hein, c'est qui celui-là? Bah, bon, j'accepte. Et vous m'énervez, en plus ils sont tellement moches, ces smileys. Ouais, en plus, je suis d'accord avec le 1. Hein. Allez, prochain mois, je sors, je vais les défoncer, ces enculés. Sans vie, faut rien qu'à être méchant. Allez, on va leur taper dessus. Oh, ah merde, j'ai des presque. Allez, on va couler du navire là. Ah bien, oh bien, les navires ils coulent. Oh, ça coule, ça se disbande. Voilà, au revoir la flotte ennemie. En même temps, j'ai une flotte, j'ai un navire de commerce, 6 galères, ils ont plus de galères. Je suis en pleine période de révision, hein, donc on va... Ah ouais, c'est révision, pas nous qui allons t'aider. Hein. Alors en fait. La révision, dis-toi, Jib, il y a une règle de base. Grâce à notre superbe gouvernement et notre politique, on a ce qu'on appelle un nivellement vers le bas. Donc en fait, si t'es obligé de réviser pour réussir, c'est que t'es trop con pour réussir dans la vie. C'est que ta vie, elle est foirée, donc ça sert à rien de réviser. Déjà que moi, j'ai pas révisé, je te parle de ça il y a 20 ans, pour mon bac. Et puis, voilà. Ah, j'ai pas révisé. Dis-toi une chose, c'est que Hollande a annulé la révision constitutionnelle. Il pourrait peut-être bien annuler les autres. Hein. La révision, tu crois. Là, c'est un prof qui parle. Hein. Ah oui, je suis prof. Un censoriste ou un étudiant, hein, c'est un prof. Celle où Taubira a démissionné pour rien. Ouais, grave. En même temps, c'est pas plus mal qu'elle soit barrée. Putain, mais tout le monde avait envie de lui arracher les yeux. Sauf les plus fanatiques des socialistes. Bon, et l'autre, il veut toujours pas accepter la paix. On va raser leur flotte. Il y a plus d'armées que moi, cet enculé. Combien il a de développement? Il a 11, 26. 26, ah ouais, 12, 22, et 9, 31. Oh, le brevet blanc en même temps. C'est si tu devant le. Ça serait vise le brevet blanc. Un brevet blanc. Hein. Ouais. C'est quoi le brevet blanc? Oh l'enculé, 11 navires de ça guerre. Sert à quoi, oh mais 6 galères. Ça sert à rien, pour aller pointer au Chungju après. C'est vrai que le brevet c'est cool comme ça quand tu peux aller postuler un boulot ou t'es le seul débile de France qui n'a pas ton bac. Tu viens, mais j'ai mon brevet. Ouais. Et là on te dit, bah c'est bien mon gars. Y'a tous les débiles qui veulent postuler qui ont eux quoi? Un bac? On va pas leur dire non, on préfère un mec qui a le brevet. Donc, le brevet, faut zapper, ça sert à rien. Ensuite, le bac, ça sert à rien. On va me faire un CAP, BEP, plomberie ou les trucs à la con là qui sont dénigrés par le système éducatif français, mais qui font que les mecs sont tous propriétaires de baraques. Vous avez déjà vu un portugais qui habite en HLM? Enfin, un maçon portugais, hein, je vous parle, hein, pas le portugais lambda de base. Un maçon portugais, ça vit pas en HLM. Je confirme. L'autre, il veut quoi? Mais... pardon, la serrurerie, c'est l'avenir. Ah, la serrurerie, aussi. Oui, parce que surtout, on aura bien besoin d'ici peu, si la crise continue, de pouvoir crocher les portes des gens. Il est con, c'est là, c'est pas sous. Allez, putain, une petite. Moi, je m'ennuie, c'est officiel. Mais attends, on va trouver un truc là. Bah, je sais pas, je peux pas déclarer la guerre à mes voisins, c'est pas possible. Ah, c'est mais ça cause des points de faveur avant qu'il y ait cette histoire de merde de faveur. Ouais, c'est chiant. T'es qui toi? Tougarou? Mais je croyais qu'on avait pas le droit de se marier ensemble. Non, on peut baiser entre nous. Non. On est pas s'allier. Ah si, je peux taper ta sœur. Tu sais pourquoi il fait ça, l'espèce de sac à merde qui est là-bas? Là, je suis en train. Alors là, vous imaginez la scène. Je suis en train de sur mon écran d'ordinateur avec mon petit doigt boudiné de montrer la carte en haut. Le trou du cul, il veut faire ça pour faire une personal union derrière. N'oublie pas, c'est un rat, c'est Ricaille. Ah non, je veux pas faire de PU, je te rappelle. Ah ouais. Je fais ça parce que. Pourquoi tu fais ça, toi? Alors c'est. Bah, pour avoir des mages royaux. Non, mais il veut déposer sa dynastie, ça se. Non, j'ai rien à foutre de ça. C'est juste quoi. Non, tu la vois pas, c'est bon, ça.
c'est là que j'ai mis, je crois, les dynasties. Non, je me permets dans les religieux, après tout. Accepter le culture, non... Dynastie, voilà. Les étrons, ils vont être un peu partout. Gawa. Les Lashigawa, je vais les défoncer. Ah, c'est quoi, Osokowa. Bon. Ah oui, c'est calme. Ah bah oui, le problème c'est que ça monte que de 1 par an les faveurs, oh là là. C'est déjà bien. Parce que des fois, le pire c'est quand t'as, vous gagnez un point de faveur tous les 3 ans. Et là t'as envie de répondre en toute politesse, en finesse, la compte ta race maudite. Voilà, ma flotte. Je vais avoir ma 8ème, ma 7ème galère. Je vais avoir la plus grosse flotte de galère. Hein. T'es la galère. L'Ozogawa, je pourrais lui tenir tête. C'est sa flotte en fait qui me fait peur. Moi, ce qui me fait chier, c'est les Girac. C'est ma flotte là, là. De toute façon, y'a que ça que je peux faire. Le mec s'est allié exprès au mec qui m'emmerde. Ouais. Et du coup, bah moi je me suis allié à Imagawa pour faire chier les Girac. Tu l'apprendras. En fait, les maths c'est chiant, mais en L t'as pas de débouché. Tu veux un débouché métier de merde, t'as ES. Métier correct, t'as S. Mais le L, honnêtement. Ah, en même temps, quoi que si. Si, vrai, tu pour un débouché. Avec un bac L, avec un bac L, tu peux être caissière à casino. Oui, ou tu peux faire femme de ménage. Ouais, t'as raison, t'es duel. Moi, j'ai connu une fille. Elle avait fait ses études. T'es nouveau. À Aix-Marseille Université, et elle fait biologie des espèces, évolution, un truc comme ça, genre pour étudier les insectes. Et elle avait fait après une année à Imperial College de Londres. Via Erasmus, et maintenant elle est serveuse à Courtepaille. Vis ma vie de merde, quoi. Voilà. Ah bah ouais, bon, en même temps, Erasmus, bon, je veux pas dire, mais Erasmus, faut déjà avoir les moyens d'y aller. Faire un truc Erasmus. Bah, quand t'as les bourses et tout, ça peut être intéressant. En fait, faut être c'est cher à ou riche, mais classe moyenne, bah, comme ouais, en France, classe moyenne, tu moyenne, baises, t'as rien. Ouais. Shigazu, ça te dirait pas de faire la paix avec moi là ? T'as prêt ta soeur en échange. Hors piste, non, il veut pas une paix blanche. Des provinces, voilà, ah, il me propose la paix. Ah non, c'est pas lui que je. Niji, ça te dirait pas d'abandonner ton alliance avec Yamanushi, puis moi je laisse tomber Imagawa ? Non. Et après il se dit ouais je vais pas progresser, mais il essaie même pas de chercher des accords diplomatiquement. Bah moi je te bloque. Non mais le mec il sert à rien quoi. Du coup il reste avec ses 6000 hommes, il se fait chier. Parce que faut dire, mais qui est-ce qui a bouffé les provinces depuis le début? Toi et moi. Non mais c'est bon, c'est quand tu joues au centre je sais maintenant comment il faut jouer. Ouais, pas jouer au tête. Ah bah déjà le centre c'est risqué hein, le centre hein. C'est pour ça qu'on s'est mis au bord. Bah où? Alors là, on prend la flotte, on la split en deux. Je vais essayer d'intercepter la flotte ennemie. Ça fait 14 ans que ta guerre dure. Non, 5 ans. Ouais, 5 ans déjà, ça fait mal. Il y a Serikai qui a déjà triplé de territoire. Non, j'ai déjà couru une province. Hein. Ça y est, j'ai eu besoin de courir la province. Non, mais l'autre, je vais essayer de choper sa flotte, mais sa flotte, il est en train de me l'envoyer aux Philippines. Il dit oulala, je vais me faire défoncer, je me casse. Du coup, les points diplomatiques qui me servent à rien, bah, je les utilise pour bah, augmenter ma prod. Allez, quand est-ce qu'il veut bientôt faire l'appel, lui, le monsieur, là? D'un coup, ça va tiquer à 100, et là, ça va être bien. J'ai le 6G, donc ça va être marrant aussi. Voilà, toute la flotte ennemie elle est devant moi. Avec leurs superbes 2 navires légers et 4 navires de transport. En face j'ai mes 7 galères. En BTSTI 2D, à tes souhaits.
La déchetterie. Non, l'autre il me propose la paix, pas dans ses rêves. Ah oui, ce qui est marrant. Des fois j'aime bien ça, c'est quand on regarde la guerre et qu'on voit le hop. La lassitude, ouais. 20, la lassitude de guerre en Shimatsu. Yu Yu, 1,2. L'informatique c'est tellement bouché. Ah, mais. En fait, ouais, pour ça que je suis dans les ascenseurs. L'informatique, honnêtement. Bah, ils veulent tous faire chef de projet, ils veulent tous faire machin. Ouais, chef de projet, mais ils sont comme leur pays. Ou sinon, l'informatique, tu vas avoir un truc, genre, moi, une fois, le plus beau que j'ai vu, c'était quoi, 8 ans d'expérience qui demandait administration, formation, connaissance du matériel, dépannage, astreinte, habite à moins de 15 km de travail, au SMIC. Mec, ouais. Je lui dis franchement à l'entretien, j'ai dit, si vous voulez, pour le même prix, je peux vous sucer. Je sais pas pourquoi il l'a mal. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Putain, l'autre c'est quand il veut là pour faire la paix. Moi, tu sais, les Gira, comme notre accord, je pense qu'il est parfaitement honnête. Hein. Tu me laisses attaquer le mec du Nord, je te laisse totalement bouffer le. L'Imagawa. Hein. Non. Ça y est, c'est la paix, c'est beau. Oui, il a bouffé une toute province. Je rappelle que Girac est le seul qui est encore à deux provinces, hein, parce qu'il veut pas négocier. Attends, l'autre là, il a commencé à trois provinces, il se la pète. Trois provinces qui étaient à combien? À 18 de développement. Je vais moins de développement. La prochaine fois, je prendrai trois provinces. Hein. Ah bah oui, Nico, les mecs qui me posaient des questions, j'en donne mes réponses. Hein. Après, quand tu sais que le boulot, tu seras pas pris, que le boulot ne t'intéresse pas, honnêtement, tu vas pas t'emmerder à mettre les formes. Et surtout quand tu sais que le mec est en train d'essayer de t'enculer. Oui, non. Non, voilà. Ça c'est recto. Ozogawa. Putain, Ozogawa il m'énerve, il est gros. Mais si j'avais la flotte, oh, l'enculé, il a la plus grosse flotte de toute l'entier de l'univers. De toute façon, si vous attaquez Ozogawa, je fais exprès de vous tomber dessus, ça vous apprendra à vous allier à mes ennemis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu. Moi, si je déclare la guerre à Ozogawa, je fais en sorte que. Déjà, il s'en relèvera pas parce que je prendrai Toza et Awa. Et avec ma flotte, je bug tout. Le problème, c'est que j'ai la deuxième flotte de. Je pense que j'ai la deuxième flotte de la map derrière Ozogawa, justement. Ça qui est un peu chiant. Là, je peux. Ah merde, fais chier. C'est vrai que c'est con ça, on peut pas déclarer la guerre. Ah oui, c'est pour ça que le trou du cul voulait prendre les provinces en Aino, parce que là-bas, tu peux pas déclarer la guerre sinon. Bah oui, monsieur. Tsugaru, c'est qui Tsugaru? Que j'accepte de me marier avec toi et de me taper ta sœur. Allez, on va dire oui. Merci. Putain. Ça va, Luigi? Oui, très bien, pépère, après, tranquille. Après, ce qui va se passer. Après, le problème, c'est quoi, Ozogawa, il est trop fort pour nous, quoi. Faudrait lui tomber à deux dessus. Non, mais la prochaine fois, je boufferai une partie de son territoire. Enfin, je. Très ma custom nation dessus. Ouais, c'est vrai que ça, là il est gros. Ouais, quoique il a 7000 hommes. Moi je sais que je peux déclarer la guerre, je pourrais presque l'attirer, mais le problème, ouais, il a 11 navires quoi. 11 navires, ouais, il a 6 galères sur 12 enculés. Moi j'en ai 7. Force navale plus forte que lui. Parce qu'après, si je me retrouve en guerre avec lui, et que toi tu déclares la guerre et que tu te retrouves aussi en guerre avec lui, on ne s'est pas lié, mais on est à deux à lui taper dessus. Et on peut le défoncer. Si tu fais ça, les Girac, moi, bah, pour ça, je vais déclarer la guerre à ton pote là, Yamanushi. Non, on s'en fout, il laisse se démerder. Et pendant que vous deux serez occupés, moi j'attaquerai le pote de les Girac. Takeda, il allie avec qui? Putain, ce bordel. C'est le bordel tout. En fait, c'est le problème du Japon. Tout le monde allie avec tout le monde. Quoi. Et c'est après, c'est la galère pour essayer de trouver bon, bah, la bonne alliance, le bon moment pour attaquer. Ouais. Bon, et sinon. Il y a eu le tuning de fin d'épisode. Les Girac, lui, ça va être. Il va avoir deux vidéos, il va voir son zoom sur son pays, il va rien faire. Mais c'est ce que je fais. Donc voilà, bon, on va arrêter l'épisode là, les gens. On vous dit ben, bye bye, à la prochaine. Et sur le stream, on reste. T'inquiète pas. Salut tout le monde.